attaquer. Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer cette audition, toujours concernant donc le projet de loi de finances 2024, en accueillant parmi nous un fidèle de la commission de la Défense, puisqu'on était en train de se remémorer combien de fois nous l'avions auditionné depuis un an et on n'arrivait pas à trouver le bon nombre. Donc je ne peux pas me prononcer. Monsieur le délégué général, vous êtes aux côtés du chef d'état-major responsable du programme 146 sur l'équipement des forces, qui rassemble les projets capacitaires les plus structurants pour nos armées, et donc très impliqué à la fois à la DGA, mais également sur le terrain. Nous étions pas plus tard qu'hier à Rouen, chez KNDS, pour constater comment l'économie de guerre avait permis au sein de cette entreprise de changer la manière de faire sur les quantités produites, sur les délais de production, et l'occasion également de valoriser les ouvriers, les ingénieurs, les salariés de l'entreprise qui s'engagent pleinement dans ses capacités productives. Notre rapporteur ici présent, Mounir Belhamiti, nous le rappelle souvent. Le programme 146 représente plus de la moitié du budget de la mission défense hors dépenses du personnel. Pour 2024, ce programme 146 mobilisera ainsi plus de 24 milliards d'euros d'autorisations d'engagement au titre des commandes et plus de 16 milliards d'euros de crédits de paiement pour financer l'avancement des programmes d'armement et les livraisons. Je pense que, monsieur le délégué général, au-delà des montants qui sont considérables, vous allez pouvoir nous faire part, nous toucher du doigt en quoi ces investissements capacitaires, ce que ça va apporter concrètement pour nos armées en 2024. Et vous reviendrez certainement sur la façon dont le PLF traduit les grandes priorités capacitaires de la LPM 2024-2030, entre les grands programmes structurants, l'adaptation au contexte de haute intensité, la montée en puissance des nouveaux champs de conflictualité. Et puis, enfin, dernière chose, ce PLF 2024 intervient alors que la DGA est en pleine transformation. Vous aviez déjà eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois dans le prolongement du plan stratégique publié au printemps. Et donc, vous aurez certainement à cœur de nous expliquer où en est cette transformation de la DGA qui est en cours, sachant que le ministre nous en a d'ores et déjà parlé lors de son audition en parlant de la pertinence du plan Impulsion DGA. Voilà, sans plus tarder, monsieur le délégué général, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, effectivement, toujours un plaisir de venir. Vous connaissez mon attachement à venir discuter avec le Parlement et l'Assemblée nationale sur les différentes missions de la DGA. En particulier, aujourd'hui, à l'occasion de ce PLF 2024, avec ces débats assez riches que nous avons eus lors de la préparation de la LPM l'an dernier, cette année 2024 sera donc extrêmement importante, puisque c'est la première année d'implémentation réelle et d'exécution de la LPM. Donc effectivement, vous avez commencé par rappeler les chiffres. Effectivement, au 146, 17,1 milliards d'euros de crédits de paiement, dont pour les PEM 9,6 milliards d'euros, et soit 36% de la mission défense, qui donne à peu près l'idée de l'importance de la tâche. Avec une année 2024, je vais me permettre effectivement, comme vous l'avez indiqué, de pouvoir souligner les objets un petit peu structurants de ce PLF 2024 et de cette première année d'implémentation de la LPM, qui sera marqué par un niveau de commande et de livraison extrêmement élevé. Donc si je prends l'exemple des programmes à effet majeur, Scorpion, évidemment, et chef d'état-major de l'armée de terre a eu l'occasion de revenir sur l'importance de cette année dans le cadre du programme Scorpion. 1 milliard d'euros de crédits de paiement consacrés à Scorpion, avec des livraisons et des commandes. Commandes de 395 blindés Scorpion et livraisons de 282 blindés. Évidemment, le programme Rafale, avec 1,5 milliard d'euros de CP pour la livraison et la reprise de la livraison finalement de 13 avions Rafale à l'armée de l'air et de l'espace. Dans le domaine naval, les sous-marins nucléaires d'attaque classe Barracuda, 0,3 milliards d'euros de crédit de paiement, et avec un sous-marin qui sera livré en 2024. Livraison également de 3 bâtiments pour la marine nationale, c'est-à-dire 2 patrouilleurs outre-mer et une frégate. Et puis livraison de 18 avions hors rafale, c'est-à-dire 10 Mirage 2000 rénovés, 2 A400L, 4 Atlantique 2 rénovés et 2 C-130H modernisés. Alors ça fait un peu inventaire à la Prévert, mais ça donne quand même l'idée de l'importance de ces différentes commandes et livraisons dans le cadre de ce PLF 2024.
Une partie extrêmement structurante, c'est, et nous avons eu l'occasion d'en discuter lors du cycle qui avait été dédié à la dissuasion nucléaire. Les crédits alloués seront consacrés au programme d'équipement des composantes de la dissuasion. Évidemment, la poursuite du développement du sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération. La démarche incrémentale d'évolution de nos missiles balistiques M51. La rénovation à mi-vie de la composante aéroportée, donc le missile ASMPA, et son évolution, qui est donc le missile hypersonique ASN4G. Désolé pour tous ces barbarismes et ces sigles, mais si vous trouvez de meilleurs noms, nous sommes toujours preneurs. L'adaptation des moyens de transmission, on parle beaucoup de nucléaire, on oublie tout ce qui est infrastructure de transmission, et les activités militaires du CEA, relatives notamment aux têtes nucléaires, au programme simulation, avec un peu moins d'1 milliard d'euros au P-178, qui sera consacré au maintien aux conditions opérationnelles des moyens de dissuasion, aux infrastructures qui sont évidemment indispensables pour le maintien de notre posture. Et puis 200 millions d'euros à peu près aux 144 qui seront consacrés aux études de préparation des futurs systèmes. Un sujet qui m'est un petit peu cher, c'est le sujet de l'innovation. Ça ne va pas vous surprendre. Avec en 2024, en 2024 la poursuite de la tendance. Hein. Vous vous souvenez que en 2018, on était à 700 millions d'euros par an consacrés à l'innovation. En 2024, nous sommes à 1,2 milliard, incluant évidemment les études amont hors dissuasion et les subventions aux opérateurs par opérateur. On entend par exemple l'ONERA, l'Institut franco-allemand Saint-Louis, et les subventions aux écoles sous tutelle. Les écoles sous tutelle, je rappelle que la tutelle est déléguée à la DGA pour 4 écoles qui sont l'ENSTA, l'ENSTA Bretagne, l'ISA et Supaéro, et évidemment l'école polytechnique. Ce programme 144 nous permettra d'investir dans des technologies de rupture, de lancer des démonstrateurs innovants et de faire face aux enjeux de préparation des futurs systèmes d'armes face aux menaces émergentes. Évidemment, en 2024, ça ne va pas vous surprendre, et nous en avons parlé hier, effectivement, nous poursuivrons tous nos efforts dans le domaine de l'économie de guerre sous l'impulsion qui a été donnée par le ministre des Armées, avec, à ce jour, des résultats, je le souligne, déjà concrets. On me pose souvent la question de savoir cette économie de guerre, pardon, est-ce qu'il s'agit véritablement d'une réalité ou d'un désir ? Ben, on peut constater aujourd'hui que c'est une réalité. Augmentation des cadences de production et réduction des délais de production, avec des avancées assez significatives. Nous étions hier, vous l'avez souligné, chez Nexter, où on a un doublement de la cadence de production des César. On est passé de 4 à 8 par mois. Pour être précis, on y passera à compter de fin 2024. Mais aujourd'hui, on a déjà une réduction du délai de production de 30 à 17 mois entre la commande et la livraison. Ce qui n'est absolument pas anodin, ce qui nous a amené d'ailleurs ensemble hier à remettre pour la première fois la médaille de la Défense nationale à Graf Armement à un certain nombre de personnels civils de Nexter qui ont tout donné, si j'ose dire, pour nous permettre d'être au rendez-vous de cette économie de guerre. Et je trouve que c'était un geste assez émouvant, finalement. Doublement de la cadence de production des radars, par exemple, également, chez Thales, où on passe à 12 à 24 radars par an. Et puis des anticipations d'approvisionnement, par exemple, avant les commandes pour les industriels, pour anticiper la réactivité. Et ça, c'est rendu possible, finalement, par la visibilité qui leur est donnée par cette loi de programmation militaire. Économie de guerre, c'est l'augmentation des cadences. C'est également tout ce qui concerne les relocalisations. On a conduit une étude assez approfondie sur nos dépendances, les relocalisations nécessaires. Et aujourd'hui, 35 dossiers ont été reçus de la part de l'industrie, dont 15 ont été sélectionnés par la DGA et dont une dizaine nécessite une instruction complémentaire. Ces 15 dossiers sélectionnés, en gros, c'est un peu moins de 200 millions d'euros, mais avec un effort industriel. Et ça, je tiens à le souligner, l'industrie ne demande pas tout à l'État. Nous avons plus de la moitié de ces dossiers de relocalisation qui seront autofinancés et qui pourraient créer au total plus de 220 emplois en France. Alors, je ne vais pas citer tous les départements parce que je ne sais pas les assigner aux députés qui sont présents aujourd'hui. Enfin, je vais quand même essayer. Cher, territoire de Belfort, Calvados, Charente, Haute-Savoie, Corrèze, Dordogne, Doubs, Bouches-du-Rhône, Île-de-France, Hauts-de-France.
et tout ceci en provenance de pays de l'Union européenne. Ne me tapez pas dessus si je n'ai pas, si je n'ai pas cité... Oui, tout va bien. Bon. Vos pays, donc provenance de l'Union européenne, mais surtout des relocalisations qui nous permettent de nous affranchir de dépendance vis-à-vis de l'Asie, de la Chine, de l'Israël, de Taïwan et d'Amérique, évidemment, Amérique du Nord, et donc États-Unis et Canada. Et ce sont des filières assez variées. Finalement, c'est l'aéronautique, le naval, le terrestre, le spatial, les munitions dont on parle beaucoup, l'électronique, les batteries, propulsion, matériaux, fabrication additive et équipement du combattant. Alors, désolé d'avoir été un peu fastidieux sur la liste, mais je trouve que c'était intéressant de pouvoir donner toute la diversité de ces différents dossiers de relocalisation. Nous avons conduit également dans le cadre de cette économie de guerre, et nous continuerons à le faire dans le cadre de l'année 2024, une analyse critique, systématique, des fonctionnalités coûteuses avant la phase de développement des opérations d'armement et des programmes. Cette analyse, qu'on pourrait appeler une analyse fonctionnelle de la valeur, y compris de la valeur du besoin, ce n'est pas uniquement la DGA qui la réalise, mais c'est bien une analyse qui est conduite conjointement entre les armées, la DGA et l'industrie. Et on pourra en revenir si cela vous intéresse. Création et réalité de la force d'acquisition réactive. Si vous vous souvenez, j'étais venu devant vous pour vous annoncer cette transformation de la DGA qui consistait à créer cette force d'acquisition capable de répondre rapidement à un besoin opérationnel, qu'il s'agisse d'achats sur étagère ou qu'il s'agisse de pouvoir passer très rapidement à l'échelle des projets d'innovation pour répondre aux besoins. Eh bien, c'est pour vous donner un exemple très concret, cette force d'acquisition réactive, elle a été mise en œuvre lors de l'acquisition de drones au profit des forces armées ukrainiennes. Je vais être très clair, on a eu le besoin opérationnel le 23 juin. On a été capable de passer fin juillet les contrats, d'avoir les livraisons avant le mois de septembre. Et nous sommes dans une phase de retour d'expérience, c'est-à-dire un délai de 3 mois et demi entre l'expression de besoin et le retour d'expérience de l'opération. Il s'agit en l'occurrence de la société de l'air, qui a été citée dans la presse, donc je me permets de citer son nom, qui a été capable d'être réactive dans sa production, sa livraison, là déjà ayant été capable de changer ses procédures et par là même d'expérimenter la réalité de cette force d'acquisition réactive. Et d'ailleurs, durant le déplacement que nous avons réalisé avec le ministre en Ukraine, cette société a signé un nouveau contrat avec le ministre de la Défense ukrainien pour la fourniture de drones supplémentaires, mais pas uniquement, sur également une lettre d'intention permettant de envisager la maintenance des drones livrés et ouvrant la voie à une production locale. Autre exemple de la force d'acquisition réactive, et puis vous me permettrez de revenir un tout petit peu à l'Ukraine, parce que je pense que c'est un sujet qui doit intéresser la Commission, c'est l'acquisition de véhicules sanitaires, puisque cette acquisition sera réalisée en un an, avec un prix divisé par deux, grâce au travail sur la simplification, comme je le disais, de l'expression de besoin. Je voudrais revenir un petit peu sur cet acte 2. Donc on a eu l'acte 1, économie de guerre et Ukraine. Maintenant, acte 2, et notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Le ministre s'en est exprimé devant vous il y a quelque temps, lors de son audition. Les cessions prises sur le matériel français ne sont donc plus le vecteur d'action principal. Il s'agira de permettre à notre industrie de devenir fournisseur et partenaire de l'armée ukrainienne. Et donc, lors de ce voyage que nous avons fait, qui était une première, où nous avons, avec le JICAT, emmené une vingtaine de sociétés avec nous, une série d'accords a pu être conclue dans des domaines variés d'intérêt opérationnel pour les Ukrainiens, avec l'artillerie, la fourniture de systèmes d'artillerie supplémentaires, puisque KNDS va rapidement fournir 6 canons César supplémentaires. La défense surface air, avec notamment des radars supplémentaires. Vous savez qu'un premier radar avait été commandé par l'Ukraine à Thalès. Et donc les Ukrainiens ont émis le besoin d'avoir 2 radars supplémentaires qui pourront être livrés au cours de l'année 2024. En termes de véhicules terrestres,
là aussi, KNDS a signé un MOU avec une société industrielle ukrainienne pour l'intégration d'armements sur les véhicules des forces armées ukrainiennes. Et puis Arcus, qui était le fabricant des VAB, les véhicules de l'avant blindé, s'est engagé au travers d'un MOU qui a été signé avec une société ukrainienne, vous comprendrez que je ne donne pas forcément les noms de toutes les sociétés, à soutenir les véhicules qui ont été cédés par les armées françaises et surtout à mettre en place un partenariat avec des entreprises ukrainiennes pour produire des VAB neufs dans le pays. La fabrication d'additifs, qui est un domaine assez innovant dont nous avions déjà parlé, avec la société Vistory, qui a signé là aussi un accord avec une société ukrainienne afin de proposer des solutions de fabrication additive de pièces de rechange, qui est un sujet très prometteur, permettant de conférer aux forces armées ukrainiennes de l'autonomie, notamment pour déployer des solutions mobiles de fabrication de pièces de rechange sur le théâtre d'opération. Des exemples dans les engins de franchissement amphibie, je ne rentre pas dans le détail. Une coopération dans le domaine du renseignement, de la cyberdéfense, et notamment avec la société Preligence dans le domaine de l'intelligence artificielle, ou avec la société Gatewatcher dans le domaine cyber. Donc, vous voyez que c'est assez riche. Et puis je finirai par, évidemment, le déminage. Vous savez que c'est un problème extrêmement prégnant aujourd'hui, non seulement pour des considérations opérationnelles, mais également pour permettre le retour dans des théâtres d'opération qui sont en fait des domaines agricoles qui aujourd'hui sont assez densément minés. Ce n'est pas un enjeu qui est neuf, mais qui laisse de la place à l'innovation. Et j'ai demandé à l'agence Innovation Défense de se saisir de ce sujet. Donc nous avons quatre projets d'accélération d'innovation qui vont être expérimentés ou qui ont permis de démontrer par des essais terrain avec les forces des résultats assez positifs et encourageants à la fois dans la détection et le traitement des mines, sachant que tout ceci est en synergie avec une stratégie drone et avec des expérimentations déjà en cours. Et puis Optronic, effectivement, avec Thales, par exemple, qui a signé une lettre d'intention pour mettre en place une coopération en vue de l'assemblage local de caméras thermiques sur chars de combat. Tout ceci pour vous dire que finalement, avec l'Ukraine, on est en train de passer d'un modèle à un autre. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse véritablement, c'est de pouvoir permettre des partenariats avec la production, une production locale sur place. Et pour permettre tout ça, j'ai décidé de mettre en place, à la demande également du ministre des Armées, un attaché d'armement, donc un attaché de défense adjoint armement, qui est aujourd'hui positionné à Kiev et qui nous permet d'être sur place. Bien évidemment, je cite cet exemple de l'Ukraine, sachant que tout ne doit pas être examiné sous le prisme de l'Ukraine, mais pour montrer simplement que tout ceci, finalement, nous a forcés à faire des accélérations, des remises en cause de nos approches, et nous a amenés à davantage de créativité et davantage d'innovation. Je vous rassure, je regarde le temps. Voilà, c'est 20 minutes, hein, c'est ça, à peu près. Non, je vais essayer de pas trop dépasser. Mais pour vous dire que fin 2023, la DGA est véritablement sur la rampe pour le décollage de cette loi de programmation militaire en 2024. C'est finalement la première année, le début de l'exécution de cette ambition. Et pour faire effet de levier sur les moyens qui nous sont alloués, le ministre des Armées m'a réitéré un mandat extrêmement ambitieux, à l'image de l'ampleur des responsabilités de la Direction générale de l'armement, évidemment la mise en œuvre de la LPM, l'économie de guerre, on vient de parler, le soutien à l'Ukraine, des partenariats capacitaires nouveaux, nous pourrons en parler dans la discussion, je reviens d'Afrique. Alors la presse avait dit que c'est la première fois qu'un délégué général pour l'armement va en Afrique subsaharienne depuis 1960. Donc comme l'a déjà été créé en 1961, c'est juste la première fois effectivement qu'un délégué général y va. Et nous souhaitons transformer, dans la ligne de la vision du président de la République sur l'Afrique autrement, notre relation avec les pays africains en proposant des coopérations d'armement gagnant-gagnant. Je pourrais répondre à vos questions sur ce point. En termes d'innovation, l'idée, c'est de structurer un certain nombre de stratégies. Nous allons accélérer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, vous savez que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain, hein, tout le monde va en faire sans le savoir. C'est une technologie qu'on va retrouver partout, dans l'ensemble de nos systèmes d'armes, dans l'ensemble de nos systèmes numériques. Mais effectivement, nous avons la chance d'avoir en France d'abord des très bons mathématiciens, une école d'intelligence artificielle assez hors pair, et puis des pôles d'excellence.
Et en l'occurrence, à la DGA, déjà maîtrise de l'information, qui se trouve à Bruy près de Rennes, est une structure de référence qui sera amenée à jouer un rôle important dans la mise en place de cette stratégie d'accélération de l'IA, qui, je rappelle, ne repose pas uniquement sur des algorithmes, des mathématiques ou des logiciels, mais également sur une politique en matière d'infrastructure, puisque cette IA elle doit percoler à la fois dans des grands systèmes, mais également être capable de pouvoir être implémentée au cœur des systèmes embarqués. Et puis, bien évidemment, je serai prêt, vous savez, toute mon appétence sur le sujet, à répondre à vos questions sur les autres domaines que nous souhaitons accélérer, qu'il s'agisse du quantique, des armes à énergie dirigée ou de l'hypervélocité. Donc, la moralité de tout ça, c'est que malgré ces crises, malgré l'urgence des crises actuelles, il faut continuer à préparer l'avenir, sachant que les décisions que nous prenons aujourd'hui nous engagent, j'ai l'occasion de dire devant vous, pas uniquement pour cette loi de programmation militaire, mais également pour les décennies à venir. La transformation de la DGA est donc nécessaire pour nous permettre d'y parvenir. Nous expérimentons cette nouvelle organisation depuis plusieurs mois, puisque nous sommes placés dans le cadre de la démarche Impulsion dans une situation qu'on pourrait appeler de faire comme si. Nous faisons comme si, avant que les textes soient effectivement promulgués, cette nouvelle organisation était en place. J'ai parlé de cette force d'acquisition active. Tous les programmes ne sont pas voués à passer par la FR, mais c'est un vecteur de développement et de diffusion de pratiques nouvelles au sein de la DGA. Nous travaillons sur la simplification également de nos processus internes, ce qui fait écho au discours du président de la République le 13 juillet dernier. L'analyse de la valeur, nous en avons parlé, et puis la création d'entités nouvelles, la création de cette direction de l'industrie de défense ou de la CAST, par exemple. La CAST, c'est quoi? C'est la cellule d'anticipation stratégique de la DGA, qui nous a permis d'ailleurs, dans le cadre de la venue d'un opérationnel ukrainien qui nous a fait un rétexte sur ce qui se passait sur le théâtre d'opération, de mener pendant une journée un exercice d'anticipation stratégique sur ce sujet. C'est la conduite coordonnée donc de tous ces chantiers qui permet de conforter le positionnement de la DGA, j'allais dire en tant que socle technologique, en tant que bouclier de souveraineté au profit de notre défense nationale. Et je m'engage sur le fait que nous assumons cette position pour les défis de l'année 2024 sur l'exécution de la LPM avec un seul mot d'ordre. Finalement, la DGA sera un rendez-vous de la satisfaction du besoin opérationnel de nos forces. Comme je l'ai indiqué, nous avons une véritable communauté de destin avec les forces armées. Ça a été matérialisé notamment par la présence, je l'avais annoncé, de la DGA lors du défilé du 14 juillet en troupe à pied, ce qui n'était pas un exercice de marketing, de communication, et bien la matérialisation de notre pleine intégration et engagement total, les 8000 civils de la DGA, les 2000 militaires au sein de nos forces, pour la protection de nos concitoyens. Voilà pour les propos liminaires, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Délégué Général, pour cette introduction très complète. Mes chers collègues, plusieurs d'entre vous m'ont demandé de suspendre la séance quand on arrivera en vote en séance publique concernant le vote solennel qui est prévu. Je note qu'il y a encore 5 interventions en séance publique, et donc ce vote devrait arriver aux alentours de 18h15, ce qui nous permet de prendre d'ici là quelques interventions d'orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Mounir Belhamiti. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. Bienvenue à nouveau dans cette belle commission de la Défense nationale et des Forces armées. Au nom du groupe Renaissance, je vous remercie pour votre présentation de ce jour, mais également pour les réponses que vous avez pu apporter lors des auditions budgétaires que nos rapporteurs ont pu mener ces dernières semaines. Vous l'avez dit, vous revenez d'Afrique, de Côte d'Ivoire, je crois. Qu'il s'agisse des enjeux sécuritaires, climatiques, démocratiques, sanitaires, économiques, démographiques ou géopolitiques, jamais un continent n'a fait face à autant de défis que le continent africain. Ces défis sont globaux et proches de nous. C'est pourquoi nous devons y répondre collectivement. Cette proximité avec le continent africain est un atout précieux pour notre pays. Et nous devons tous avoir pleinement conscience que le destin de la France et de l'Europe est lié à celui de l'Afrique. Pendant trop longtemps, les pays occidentaux ont réduit l'Afrique à un terrain de compétition, d'affrontement ou de rente. Mais ce temps-là est révolu. Le président de la République le rappelait le 27 février dernier, je cite, « Nous devons bâtir une nouvelle relation responsable, équilibrée et réciproque avec le continent africain ».
Cela se mesure évidemment sur le volet militaire, où nous passons d'une logique d'aide à un nouveau modèle de partenariat. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir prochainement à l'occasion de la séquence Afrique de la Commission de la Défense. Ainsi, alors qu'une des missions de la Direction générale de l'armement est de promouvoir une approche pragmatique de la coopération et de soutenir les exportations, quelle est votre vision des partenariats capacitaires à développer avec les pays africains et en quoi le projet de budget 2024 amorce cette vision? Je vous remercie. Monsieur le délégué général. Alors on va le faire du tac au tac avec grand plaisir. Effectivement, je me suis rendu en Afrique dans la droite lignée de la vision à l'Afrique autrement qui est portée par le président de la République. Et je crois que vous avez tout à fait mis le doigt sur la problématique. Il faut arrêter de considérer l'Afrique comme un pays où on vend des armes. Moi, je ne suis pas directeur commercial de Nexter, ni Naval Group, même si j'ai un grand respect pour ces sociétés. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement de pouvoir construire une démarche pérenne avec des partenaires qui sont soumis à des défis qui sont en fait des défis communs de sécurité. On le voit notamment dans les frontières nord. Je me suis rendu au Sénégal, je me suis rendu en Côte d'Ivoire, je me suis rendu au Nigeria. L'Afrique n'est pas que francophone, d'ailleurs. Et on voit toute l'ampleur des défis sécuritaires qui sont aujourd'hui les leurs. Donc pourquoi est-ce qu'on y va? On y va d'abord pour examiner ensemble cette démarche capacitaire qui permet de dimensionner finalement les futures capacités à l'aune des défis qui sont les leurs. Partager également le savoir-faire de la DGA en matière de spécification, en matière d'acquisition, en matière de MCO, puisqu'on ne peut pas considérer que l'on va pouvoir livrer des capacités si on ne livre pas le MCO correspondant. Il est illusoire de penser que depuis Paris, on va pouvoir arriver à résoudre des problèmes de formation, maintenance, approvisionnement de pièces. Et donc l'idée, c'est bien de faire des partenariats à chaque fois que c'est possible, avec des structures locales qui vont permettre de prendre à leur charge une partie, par exemple, de ce MCO. N'oublions pas que lorsqu'on livre un matériel, s'il tombe en panne, on n'oubliera jamais où il a été fabriqué. Et donc c'est notre intérêt commun, intérêt opérationnel et capacitaire pour nos partenaires, et intérêt aussi de la France dans sa crédibilité de pouvoir être complet finalement vis-à-vis de cette approche-là. J'ajouterais que les partenariats vont jusqu'à la définition, la création de bases industrielles et technologiques de défense locale avec lesquelles nous pourrons fonctionner de manière assez directe. Il ne s'agit pas uniquement des grands de la BITD, même s'ils ils sont évidemment en première ligne, mais également, je le rappelle, des 4000 sociétés qui sont aujourd'hui disposées et intéressées à fournir des capacités à nos partenaires. Et pour faciliter tout cela, pardon, nous avons décidé de mettre en place un attaché d'armement en Afrique permanent qui va pouvoir évoluer entre ces différents pays et doubler l'équipe du bureau Afrique de la direction internationale de la Direction générale de l'armement. Et mes chers collègues, dans le cadre du bureau, nous pourrons échanger pour voir s'il y a lieu, dans le cadre du cycle Afrique que nous prévoyons dans un mois, d'avoir un focus spécifique sur l'offre stratégique en matière d'armement parmi tous les sujets que nous aurons à traiter. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Franck Giletti. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général. Alors que des solutions souveraines existent, le Président de la République s'évertue, au profit de certains programmes de coopération industrielle qui s'enlisent, à nuire à la souveraineté de notre BITD française. C'est une réalité que le groupe Rassemblement national n'a jamais cessé de rappeler. Et en parlant de groupe, je voudrais féliciter et remercier pour la présence toujours nombreuse de mes collègues dans cette commission. Alors, pour revenir à notre sujet, prenons l'exemple du drone MAL AROC, conçu par la société française Turgis et Gaillard. Alors que le général Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et le ministre des Armées lui-même affiche une position plutôt volontariste quant à son emploi, la démarche étant jugée intéressante, quel type de crédit pourrait être mobilisé par la DGA afin d'accélérer la mise en place du programme et montrer un soutien de la part des pouvoirs publics? Et d'ailleurs, puisque nous évoquons le sujet, que cela concerne l'Eurodrone ou le drone AROC, la seule vulnérabilité en matière d'autorisation d'exportation est le moteur d'origine américaine. Est-ce que les services de la DGA envisagent une feuille de route pour disposer à terme d'un moteur de cette gamme de puissance conçu et produit en France? Pour rappel, l'ARD NTP de Safran serait une base de travail déjà très avancée puisque disponible sur les hélicoptères.
En outre, j'aurais une deuxième interrogation. Alors, ce coup-ci, on passe sur la marine, basée sur l'exemple du programme de frégates de défense et d'intervention. Certains médias, comme la revue Mer et Marine, ont récemment rapporté que le programme FDI accusait malheureusement un retard de plusieurs mois. En effet, alors que les essais à la mer de la première frégate, l'amiral Ronarc, devaient débuter à l'été 2023, ils n'auraient finalement lieu qu'en 2024. Or, selon ces mêmes médias, le retard serait dû à une pénurie de main-d'œuvre au sein de l'industrie de Naval Group. Dès lors, quelle est l'évaluation de la DGA sur le risque de pénurie de main-d'œuvre qualifiée au sein de la BITD, d'une part, au niveau des grands groupes, et d'autre part, des plus petits sous-traitants? De même, si le risque est identifié, comment est-il pris en compte par la DGA? Et puisqu'il me reste quelques secondes, vous nous avez évoqué la livraison des 13 Rafales. J'en étais à 2 ou 3 livrés au mois d'août. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions quant au séquençage des livraisons? Merci. Merci, cher collègue. Et sur le volet du drone à roc, peut-être, monsieur le délégué général, vous pourrez nous faire part également de votre compréhension de l'accord qui est en cours concernant l'exportation en Ukraine avec une entreprise locale également, si j'ai bien compris. Merci, monsieur le député. Alors, effectivement, le drone à roc est quelque chose qui n'est pas une découverte. C'est-à-dire qu'on n'a pas découvert au Salon du Bourget lors de sa présentation. C'est un projet que madame et monsieur Turgis et Gaillard nous ont présenté il y a maintenant à peu près un an et demi, que nous suivons, simplement parce qu'on encourage le fait qu'il y ait un autofinancement. Des industriels qui nous permettra d'avoir des solutions alternatives qui ne sont pas liées à une spécification de la part de l'État. Et je trouve que la démarche est intéressante, même si on peut difficilement comparer la AROC et le ROMAL. Ce ne sont pas les mêmes classes de drones, ce ne sont pas les mêmes élongations, ce ne sont pas les mêmes missions. Néanmoins, effectivement, nous gardons un œil assez attentif à ce système qui ne vole pas encore, je le rappelle, qui devra faire l'objet pour sa pérennisation d'un certain nombre de partenariats, notamment lui permettant d'embarquer des composants sur étagère industrielle. Et notamment, vous savez qu'il y a des discussions qui sont en cours avec l'industrie française. Alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, on attend effectivement de voir quels sont les résultats des premières expérimentations. On regarde également de manière très attentive effectivement ce qui se passe du côté de l'Ukraine, puisque effectivement on a eu la signature d'un partenariat avec une société ukrainienne pour le test et la mise en œuvre de tels systèmes, même si l'entreprise a véritablement développé ce système-là pour les besoins de l'armée française. Moi je pense que le jour venu, il sera toujours possible de mobiliser un certain nombre de solutions d'accélération. Je pense par exemple à des partenaires d'accélération d'innovation qui nous permettraient, le cas échéant, de pouvoir se garder une certaine flexibilité. Vous savez que le ministre des Armées, et il l'a dit je crois devant vous, a annoncé que la loi de programmation militaire, elle n'était pas figée dans le marbre et que compte tenu des évolutions extrêmement rapides du contexte géostratégique, eh bien, il serait toujours possible de regarder les nouvelles solutions technologiques et de les adapter le cas échéant. Donc effectivement, nous avons un œil attentif sur tous ceux qui nous proposent de nouvelles technologies, et Turgis et Gaillard en fait partie, même si nous sommes aussi attentifs à ne pas lâcher la propre ombre et à continuer nos programmes structurants, notamment dans la mesure où ils répondent au contrat opérationnel qui sera fixé aux armées. Je pense par exemple, pour citer juste un exemple, à la surveillance de nos zones économiques exclusives, notamment en Outre-mer, qui nécessite d'avoir des drones mâles à longue élongation. Concernant effectivement la fin de la fabrication des FDI, aujourd'hui la livraison de la première FDI effectivement sera livrée en 2024. Je rappelle que la phase de réalisation, c'était avril 2017, la mise à flot définitive a eu lieu le 10 octobre 2022 et j'y étais. Et d'ailleurs, c'est un bâtiment qui est tout à fait impressionnant lorsqu'on le visite. Je ne sais pas si la commission de la Défense a eu l'occasion de pouvoir monter à bord, mais on sent vraiment qu'il y a une nouvelle génération de bâtiments. Et puis les livraisons des FDI 2 à 5 auront lieu en 2027, 2028, 2031 et 2032, pour être tout à fait précis, sur ce sujet. Sur la main-d'œuvre qualifiée, il est vrai qu'il y a une problématique.
cette manœuvre, aujourd'hui, elle manque. Il y a plusieurs solutions à cela, notamment l'appel à de la sous-traitance d'origine française ou étrangère lorsqu'on la trouve. Mais vous savez, se trouver des soudeurs aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on recommence à former des gens. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être faire des partenariats plus importants en termes d'apprentissage, en termes d'alternance, qu'il y a aussi des responsabilités à trouver sur l'angle de la réserve industrielle, qui nous permettrait, dans ces métiers en tension, de pouvoir continuer à former des jeunes. Et donc, oui, il y a une difficulté sur laquelle la DGA, évidemment, est totalement impliquée à trouver des solutions pour permettre de pallier ce manque de main-d'œuvre qualifiée. Sur les rafales, effectivement, c'est inchangé. Il y a bien 13 rafales qui sont prévues d'ici à la fin 2023. Merci, monsieur le délégué général. Alors, vous pouvez reprendre une minute parce que je pense qu'on va devoir suspendre juste après la question. Oui, tout à fait. Mes chers collègues, j'allais vous proposer justement pour vous éviter de devoir courir dans les couloirs et dans les rues de suspendre tout de suite et par contre de vous demander de revenir bien à l'heure, notamment le groupe La France Insoumise qui posera la question. Je demande la suspension de la séance.
personne n'est arrivé d'ici. Non, mais bien. Mes chers collègues, nous allons donc reprendre cette séance après ce vote solennel. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Délégué Général. Comme d'habitude, je vais vous proposer une série de questions et on ira directement dans le dur du sujet. Tout d'abord, concernant les matériels terrestres. La livraison de 90 Jaguar a quand même révélé quelques problèmes de compatibilité entre tourelle et châssis. On parle d'une grosse incompatibilité entre les deux sous-systèmes qui pourrait se traduire par un arrêt total du véhicule. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet ? Concernant Serval, il y a des questions autour de la qualification. Il se raconte notamment qu'il y a quelques soucis qui persistent avec le constructeur des essieux et des problèmes de charge donc par essieux. Il y a également des soucis apparemment d'usure prématurée sur les HK416F. Qu'en est-il exactement ? Sur les grands programmes à effet majeur, il y a toujours la question du MGCS qui est récurrente, et qui est de la question de la convergence de vue et de synchronisation des deux industries, en réalité française et allemande. Il nous semble que depuis le début, les Allemands nous promènent, si je puis dire, que leur calendrier n'est pas le nôtre et que si jamais le MGCS devait échouer, l'offre allemande existerait toujours alors que l'offre française, elle, n'existerait plus du tout. Et nous n'aurions donc qu'à nous tourner vers les Allemands sur un programme pour acheter éventuellement un char. Et ça nous poserait donc un grave problème. Nous serions deux fois les dindons de la farce. En matière d'innovation, je ne serais pas complet si je ne vous demandais pas des nouvelles du programme Giraffe 2. Pour parler de gravimétrie quantique, savoir où nous en sommes. Évidemment, j'aimerais aussi vous parler d'innovation. J'aimerais savoir si la biologie de synthèse fait partie des sujets sur lesquels travaille l'AID, en partenariat éventuellement avec l'IRBA, le SSA. Et enfin, j'aimerais savoir quelle est votre appréciation de la situation actuelle d'Atos, puisque, évidemment, le feuilleton continue et la revente d'Atos est en cours. Elle est prévue pour le deuxième semestre de 2024, mais elle pose un grave problème de souveraineté dans les domaines les plus avancés des hypercalculateurs. Voilà. Merci, mon cher collègue. Alors, c'est une vraie rafale de questions avec une petite dizaine de points. En posant tant de questions, vous exposez à des réponses incomplètes ou des absences de réponses, mais vous pourrez relancer par la suite pour que, monsieur le délégué général, vous puissiez répondre dans une économie de 5 minutes, on va dire, maximum. Oui, c'est un défi, effectivement. Bon, sur Atos, hein, je vais commencer par ça, puisque c'était la dernière question. J'allais vous dire rien de neuf. Rien de neuf, malgré le fait qu'effectivement, nous avons des changements à la tête de l'entreprise. De toute manière, Atos, aujourd'hui, mène un certain nombre d'actifs stratégiques pour le ministère des Armées. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on suit le dossier de très près et on est en relation directe à la fois avec la présidence et la nouvelle présidence et le management d'Atos afin de nous assurer que les intérêts stratégiques de l'État sont préservés et ceci, quelle que soit l'opération capitalistique dont on parle. Donc, notre objectif, c'est de nous assurer notamment de tout ce qui est soutenabilité et pérennité des activités stratégiques pour nous dans les différents modèles qui sont proposés. On ne fait pas ça tout seul, on fait ça également avec la Direction générale des entreprises à Bercy, avec une équipe conjointe de négociation qui a été montée entre la DGA et la DGE et quelques autres partenaires. L'idée étant de mettre en place les leviers nécessaires pour garantir juridiquement la protection des intérêts de l'État. Et finalement, ces changements récents à la tête d'Atos n'entament pas ces différentes démarches et ces différents contacts. Et les différents dirigeants qui ont été nommés ont soit été déjà rencontrés, soit le seront extrêmement prochainement. Donc, pour moi, il n'y a pas de changement particulier dans la démarche que nous avons entreprise de garantir la pérennité et la souveraineté d'Atos. Sur la biologie de synthèse, la réponse est oui, nous y travaillons bien évidemment et vous comprendrez que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça fait partie de toute manière des sujets qui nous sont immédiatement d'intérêt.
Ils nous sont d'intérêt aujourd'hui parce que c'est une réalité sur le développement d'un certain nombre d'armes de nos compétiteurs. Et c'est aussi le fait de savoir si les nouvelles technologies, je sais que vous êtes un fan, monsieur le député Saint-Toul, du quantique, nous en sommes plusieurs. Je sais que le jour où nous aurons des ordinateurs quantiques, eh bien, effectivement, il y aura beaucoup plus de capacités à pouvoir synthétiser, le cas échéant, des toxines ou au contraire des remèdes. Je parle d'ordinateur quantique, mais je pourrais parler tout aussi bien d'IA. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, mise au service de la biologie de synthèse, est quelque chose que nous regardons d'extrêmement près. J'ai dit tout à l'heure que le ministre des Armées souhaitait accélérer considérablement la stratégie du ministère dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cela fait bien évidemment partie des domaines que nous regardons d'extrêmement près. Très rapidement sur le HK416, effectivement, on a des retours de la part de l'armée de terre qui nous montrent qu'elle est extrêmement satisfaite avec une utilisation intensive. Cette utilisation intensive, c'est plutôt quelque chose qui nous permet d'avoir des métriques en termes d'usure, et cette usure aujourd'hui est normale. Donc je ne sais pas si vous avez eu d'autres informations que nous, mais pour nous, c'est un produit qui est un produit excellent sur lequel il ne nous est pas remonté d'alerte particulière. Bon, je savais que j'aurais une question sur le MGCS, bien évidemment. Je pense d'ailleurs, j'ai vu ce que le général Schill avait répondu, et nous sommes totalement en ligne. D'abord, encore une fois, c'est pas un char. Je le dis à chaque fois, et je tiens à le redire, on est vraiment dans un système qui est complètement différent, avec des alliés dronisés, avec un cloud de combat, un petit peu comme le SCAF. Vous parliez de calendrier, vous avez vu qu'il y a un document qui s'appelle le HL Cord, qui a été signé entre les deux chefs d'état-major de l'armée de terre, qui nous permet d'avoir une première capacité du MGCS dans un calendrier compatible avec nos objectifs. Et effectivement, la France a des objectifs qui sont liés par la contrainte de répondre aux besoins opérationnels de nos forces, qui aujourd'hui nous imposent d'avoir une capacité dès 2040 qui soit pas une capacité complète, mais au moins une capacité qui permette de répondre à l'obsolescence de nos moyens actuels. Et là, j'ai pas non plus d'inquiétude là-dessus. Bien évidemment, nous suivons de près, je le suis personnellement, ce sujet. Je me suis rendu à Berlin, rencontré mon homologue en mi-septembre, Bénédicte Zimmer. Nous avons eu la séquence d'Evreux le 21 septembre dernier. Nous avons engagé un certain nombre de workshops d'experts dans un esprit qui, aujourd'hui, je pense, est assez constructif, et notamment sur cette nouvelle approche qui a été acceptée par l'Allemagne, sur une approche par piliers qui nous ouvre un certain nombre de nouvelles perspectives. Finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On travaille sur cette allocation de leadership entre les différents piliers. Si vous voulez tout petit peu plus de précision sur l'approche que nous souhaitons, on pourra le faire dans une partie plus à huis clos, mais l'objectif, c'est de converger sur une allocation par pilier au début du mois de novembre pour permettre d'envoyer ce qu'on appelle le RFP, donc un appel à proposition vers l'industrie, le plus rapidement possible, idéalement en janvier 2024, sachant que l'objectif du prochain workshop qui a lieu, alors on est quoi? On est mardi, donc ça doit être jeudi et vendredi prochain à Bonn, devrait permettre d'aborder en particulier tout ce qui est le phasage des activités de R&T, de démonstration, les lignes vertes ou rouges sur l'allocation des piliers, sachant qu'encore une fois, c'est une discussion globale. Moi, je constate aujourd'hui qu'on a une dynamique positive. Vous savez qu'on est extrêmement vigilant sur le fait de ne pas être, comme vous le dites, les dindons de la farce, mais pour autant, il me semblerait dommage de ne pas profiter de cette dynamique jusqu'au bout. Et donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, comme cela a été souligné lors de notre séminaire franco-allemand et lors de la séquence d'Evreux.
sur... Attendez, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions sur Jaguar. Effectivement, nous avons eu l'occasion de visiter hier les lignes d'assemblage, tout à fait exceptionnelles d'ailleurs, de KNDS France à Roanne. On sait qu'il y a eu effectivement des difficultés sur la tourelle. Ces difficultés sont en voie d'amélioration. Et donc, cette tourelle, aujourd'hui, elle donne déjà satisfaction. Sur le Serval, comme pourra vous le confirmer l'armée de terre, c'est un excellent produit. Et effectivement, on développe les variantes. Vous savez qu'il y a quand même... Alors, je ne connais plus le nombre, mais je crois qu'il y a plus de 12 variantes qui sont... on les développe au rythme prévu. Il n'y a pas de problème bloquant sur la charge par essieu. Là aussi, pour moi, c'est du business as usual sur la production de ces différents matériels. Et pour être tout à fait précis et complet, sur le... sur le programme Giraffe 2. Donc, effectivement, alors je rappelle que Giraffe, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, mais c'est une discussion que nous avions eue de manière. Je vois que vous avez une certaine constance dans le. Oui, oui, on voit que vous êtes. C'est pas de la biologie. Non, mais c'est très bien. Moi, ça, dès qu'on me parle de quantique, je trouve ça intéressant. D'autant que s'il y a bien une rupture technologique qui est une rupture majeure, parce qu'elle va devenir assez rapidement une rupture géostratégique, c'est bien sur ces technologies de capteurs quantiques et bon. Et Giraffe, c'est un gravimètre quantique à atomes froids qui est destiné à être embarqué soit sur navire, soit au sein d'un aéronef, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, pour permettre de pouvoir quantifier les différentes variations de la gravité terrestre. Sur ce programme-là, qui est un programme notamment qui est mené avec l'ONERA, il y a un programme qui s'appelle le programme CHOF. Alors, je ne sais plus, composante hydrographique, océanique et française, voilà, nous permet de monter en maturité le démonstrateur qui a été développé avec l'ONERA, qui nous permet de l'embarquer sur un bâtiment de la Marine nationale. Donc, tout se passe pour le mieux et en liaison, en directe continuité avec le programme tel qu'il avait été conçu. Merci, monsieur le délégué général pour le groupe Les Républicains. La parole est à Jean-Louis Thiriot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué Général, c'est toujours un plaisir de vous entendre et de voir cette DGA habile, active, devant nous. Quatre questions, une générale et d'autres plus spécifiques. Question générale, vous avez largement répondu sur le MGCS, donc je ne vais pas revenir dessus. Simplement une interrogation sur l'avenir du secteur blindé chenillé qui peut être préoccupant compte tenu du trou qu'il va y avoir jusqu'au MGCS. Que pensez-vous qu'il faut faire du programme EMBT de KNDS? On en fait quoi? Est-ce que ce sont des briques? Voilà, c'est vraiment question ouverte sur ce sujet. Deuxième question qui touche à la souveraineté. Pour le remplacement de nos LRU, nous avons entendu le général Schill qui nous avait dit qu'il faut vite et souverain. Donc, où en sommes-nous des développements, notamment A2SM de Safran? On me dit qu'il y aurait eu un accord avec MDBA autour du projet. Voilà, où en sommes-nous et quelles perspectives sur ce sujet? Troisième point, et là je suis, j'ai ma marotte aussi, alors moi c'est pas le quantique mais ce sont les mines puisque j'ai servi sur chasseur de mines dans le cadre du programme SLAM-F. On me dit, mais je n'ai pas contrôlé ça, que sur l'utilisation des drones, nous aurions trois fournisseurs de drones différents, dont les Américains, L3 Harris et Saab, alors qu'apparemment, nos amis belges et hollandais dans le programme seraient uniquement sur une solution Excel. Est-ce que c'est vrai? Qu'en est-il? Pourquoi? Et est-ce que cela pose ou pas une question de souveraineté? Et comme je vois qu'il est 1 minute 47, je m'arrête là. Merci, cher collègue, monsieur le délégué général. C'est bon. Si vous êtes dur avec moi sur les questions en rafale, je sais bien que le rafale est un acronyme que vous aimez bien, qui est le joyau de notre armée, mais c'est quand même un exercice qui est effectivement dense. Je vais commencer par le LRU, effectivement, puisque donc c'est un programme qui, pour nous, s'appelle non pas LRU, puisque LRU, c'est un système d'armes particulier, mais bien frappe longue portée terrestre.
Effectivement, le but, c'est de se doter d'une solution souveraine, et je dis bien souveraine au sens français et non pas au sens européen, puisque de tête, mais mon camarade ici me corrigera, c'est de l'ordre de 13 systèmes qui doivent être fournis dans le cadre de cette loi de programmation militaire. Vous savez qu'il y a plusieurs solutions industrielles qui sont aujourd'hui possibles. Première solution, effectivement, avec un rapprochement de ça, vous l'avez cité, de certains industriels qui sont capables de nous proposer une solution innovante. Ce ne sont pas les seuls. Et comme ce ne sont pas les seuls, nous allons très rapidement lancer une consultation qui sera sous forme notamment d'un partenariat d'innovation qui nous permettra de challenger, si vous me permettez cet anglicisme, plusieurs solutions qui sont des solutions, on va dire, compétitives, de garder au fur et à mesure le meilleur et de pouvoir arriver à développer... Ah bah oui, si on me donne pas les bons. Développer la capacité dont on a besoin. En tout état de cause, moi je suis assez confiant sur ce schéma pour nous permettre de développer ce système-là, mais je ne me prononce pas aujourd'hui sur le développement d'un système plutôt que d'un autre. Sur le secteur blindé chenillé, EMBT, qui est le... Alors, si ma mémoire est bonne, c'est Enhanced Main Battle Tank, qui est effectivement un démonstrateur qui avait été présenté, alors là aussi de tête, au Salon du Bourget 2022 par KNDS, avec un châssis Léopard 2, une tourelle Nexter et un certain nombre d'autres systèmes, par exemple des systèmes de protection Hard Kill de type Trophy. C'est effectivement aujourd'hui quelque chose qu'on continue à regarder sous l'angle des briques technologiques qui pourraient être disponibles. Moi, je pense que quand même tout ce qui est fait dans MGCS aujourd'hui doit nous permettre d'assurer la feuille de route du char lourd, du blindé chenillé qui vous est cher. Et c'est un peu comme dans le SCAF, si vous voulez. On a eu cette discussion sur qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne marchait pas. Ben, si ça ne marchait pas, on aurait déjà développé les briques technologiques qui nous permettent d'assurer l'avenir de notre aviation de combat. Donc c'est la même chose sur le blindé chenillé. Dans le cadre de MGCS, on développe les briques qui sont finalement les briques dont on aura besoin pour avoir un char lourd à l'horizon des besoins opérationnels qui sont nécessaires. Sur SLAMF, qui est la guerre des mines, effectivement, on a deux industriels en fait qui doivent travailler ensemble, qui sont Thales et Exail. Qui sont aujourd'hui la voie que nous avons privilégiée pour nous permettre de maintenir des compétences industrielles, stratégiques, nationales, françaises. Vous savez que des compétences, notamment en matière de sonar, de systèmes de traitement de la donnée qui sont réalisées à Brest chez TDMS, sont tout à fait remarquables. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de me rendre sur place. Nous avons quand même des champions en termes de compétences, en termes de systèmes autonomes de surface et sous-marins. Et donc, nous en sommes là aujourd'hui avec deux industriels qui travaillent ensemble dans le cadre de SLAMF. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Jean-Pierre Cubertafon, qui a bien entendu la Dordogne tout à l'heure dans les départements qui ont été cités. Je vous en remercie, monsieur. Monsieur le président Gassiou, monsieur le délégué général, chers collègues, je vous remercie de votre présence devant nous et salue au nom du groupe démocrate qui, je l'avoue, est en version réduite ce soir, les auditions constructives qui s'enchaînent autour de ce projet de loi des finances. À quelques minutes près, nous étions plus nombreux que vous. Ce projet de loi de finances, comme ceux des dernières années, fera de l'année 2024 une année de modernisation avec une hausse de près de 7% des crédits consacrés au grand programme d'armement. La loi de programmation militaire promulguée le 1er août doit faire l'objet d'une actualisation avant la fin de l'année 2027,
comme le prévoit son article 8, cela afin de consolider la trajectoire financière en fonction des besoins mis à jour au regard de l'inflation, du contexte stratégique et des avancées. Je souhaite en ce sens vous interroger sur la trajectoire budgétaire de la Direction générale pour l'armement en ce qui concerne le sujet des drones. Pourriez-vous nous éclairer sur les dispositions budgétaires prévues dans ce PLF en ce qui concerne ce domaine? Vous serait-il également possible de nous parler du programme TAMOS, à moins que vous l'ayez déjà fait, du programme TAMOS. Sur ce sujet, des drones toujours, le ministre a salué devant le Sénat les avancées du projet AROC. Cet appareil de conception robuste ne contiendrait aucun composant d'origine américaine. Le budget aujourd'hui fléchés sur ces programmes, sont-ils suffisants afin d'accompagner de la meilleure des manières ce genre de projet d'une grande qualité pour notre pays et notre industrie de défense? Je vous remercie, monsieur le délégué général. Monsieur le délégué général. Merci, monsieur le député. Alors, vous savez que le budget alloué dans la loi de programmation militaire est tout à fait conséquent. En termes de développement des drones et des robots, c'est 5 milliards d'euros sur la période de la LPM, c'est plus de 400 millions d'euros sur le PLF 2024, hein, puisque cette audition, je pense, est essentiellement consacrée là-dessus. Effectivement, nous avons aujourd'hui une réflexion poussée sur les drones, et pour rien vous cacher, nous avons hier eu une réunion avec le ministre des Armées sur l'ensemble des drones aériens. Nous ferons la même chose sur les drones marins et sous-marins, ainsi que les drones de contact terrestre. Je sors un petit peu à AROC de ce... J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Ça n'est pas un programme aujourd'hui. C'est bien une opportunité qui nous est proposée par un industriel qui a autofinancé l'ensemble de ses développements. Le but étant de pouvoir présenter quelque chose d'un petit peu innovant, effectivement ITAR-free, si j'ose dire, mais qui nécessitera quand même d'avoir des partenariats avec les différents fournisseurs, notamment de composants. Vous savez que dans un drone, la véritable difficulté, c'est quand même la charge utile. C'est le guidage et la charge utile. Le vecteur est effectivement important, mais c'est bien la charge utile qu'il s'agisse de renseignements d'origine image ou de renseignements d'origine électromagnétique, voire d'armement, constitue la principale caractéristique du drone. Je vais être extrêmement transparent avec vous. Je ne connais pas le projet TAMOS. Alors, il a peut-être changé de nom. C'est les essaims, d'accord. Bah, il a changé de nom. Oui, il a changé de nom. D'accord, très bien, je vois. S'il change le nom, sans me prévenir aussi. Voilà, donc... Non, je vois très bien le projet. Effectivement, on travaille sur les drones en essaim. Les drones en essaim dans leur composante défense contre les drones en essaim, mais également utilisation d'essaims de drones qui peuvent être homogènes ou hétérogènes, et en particulier le mélange entre des drones et des munitions téléopérées. Vous savez que c'est pas exactement la même chose. La manière dont on peut avoir une intelligence collaborative entre ces différentes composantes. En tout cas, je peux vous assurer que ce sujet des drones, qui est un sujet majeur dans la mesure où on voit bien, notamment, pas uniquement, mais via le Retex aujourd'hui en Ukraine, qu'il est une composante essentielle du champ de bataille. C'est un sujet qui nous importe au premier chef, et ce d'autant plus que c'est un sujet dual, qui est beaucoup tiré vers l'industrie civile, que donc le rôle de la DGS est plutôt de se concentrer sur les caractéristiques militaires des drones, et qui en même temps doit être mené avec des projets de lutte anti-drone, avec la difficulté que si le sujet des drones est dual, le sujet de la lutte anti-drone ne l'est beaucoup moins. Et donc nous essayons de mener l'ensemble de ces recherches et ces développements, mais c'est un patch, pour reprendre le vocabulaire qu'on avait pris dans la loi de programmation militaire, qui est un patch majeur et qui sont des capacités qui sont tout à fait essentielles dans le cadre de cette nouvelle loi de programmation militaire. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Isabelle Santiago. Pas facile à chaque fois d'intervenir dans les derniers. Merci donc, monsieur le délégué général, y compris pour vos réponses dans le cadre du, y compris du tac au tac, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, du coup, vous avez apporté évidemment beaucoup de précisions. Donc, le budget de la mission de la défense pour cette première année de mise en œuvre de la LPM
2024-2030 expose clairement comment la France façonne et déploie une stratégie d'envergure qui fait émerger un outil scientifique et industriel cohérent, complet, pour répondre à une ambition claire pour la défense nationale. La DGA permet à la France d'être au rang des premières nations mondiales en matière de maîtrise technologique, de défense, de conduite de projets complexes, de coopération et d'exportation. C'est le fondement du modèle français d'une armée complète dans une démarche de souveraineté et d'économie, intégrant désormais la transition vers une économie de guerre voulue par le ministre des Armées et le Président, et s'appuyant sur une loi de programmation militaire dont nous avons pu parler il y a quelques mois. Dans cette économie de guerre et au regard du contexte géopolitique et géostratégique, pouvez-vous nous apporter l'éclairage sur deux points, sur la sous-action étude amont du programme 144 et en particulier sur l'opération budgétaire recherche et captation de l'innovation. En effet, il apparaît que le budget 2024 est en recul de 10% tant pour les AE que pour les CP. Le budget global des études amont est lui aussi en diminution de près de 5% par rapport à 2023. Donc comment interpréter cette baisse de fonds pour les études en amont et sur la captation de l'innovation ? Alors que l'innovation est partie évidemment intégrante, vous l'avez y compris rappelé dans vos propos à l'instant, de la structuration même de cette économie de guerre. Et c'est aussi la clé de continuation de l'excellence de notre technologie qui caractérise nos armées. Donc du coup, j'aurais souhaité que vous puissiez m'éclairer sur cette ligne budgétaire qu'en fait, on n'a pas bien compris dans le sens de la lecture que nous en avons faite. Par ailleurs, donc je souhaite cet éclairage et puis revenir sur un point qu'on avait échangé donc, en mai dernier quand on vous avait auditionné dans le cadre de la LPM et donc savoir comment le sujet avance. On vous avait posé la question au travers du problématique des finances avec les banques pour notre BITD et on voulait donc savoir si vous avez des précisions sur le déroulement des discussions avec les banques, les fonds d'investissement évoqués lors en effet de la séance d'audition que nous avons fait donc comme je l'ai dit en mai dernier et quelle avancée sur l'incitation au financement dans le cadre de notre BITD et de soutien bien évidemment à cette économie de guerre qui est par ailleurs aussi demandée par l'Union européenne et l'Alliance Atlantique. Monsieur le délégué général. Merci. Merci, Madame la députée Santiago. Alors, effectivement, je vais rebondir tout de suite. J'aurais pensé que ce serait Monsieur Thierriot qui m'aurait posé le sujet, mais on ne peut pas être fan à la fois du blindé cheminier et puis de l'investissement et du financement de la défense. Alors, pour être clair, les initiatives que nous avons décidées et dont je vous avais parlé ont été mises en place, avec notamment la mise en place d'un réseau de référents bancaires dédiés au financement l'innovation, comme je vous l'ai expliqué, le vrai problème qu'on a, sauf à quelques exceptions près vis-à-vis des banques et des organismes de financement, c'est, ne se situe pas au niveau de la politique corporate, si j'ose dire, des grandes banques, mais bien de leur interprétation locale, voire régionale et locale. Ça signifie que finalement, les consignes qui sont données ne sont pas forcément suivies parce qu'il y a une surprotection des acteurs locaux vis-à-vis de financement de ce qui pourrait être considéré comme étant du financement d'armes. Et donc, on se rend compte que il y a une vraie culture de l'investissement et du financement de la défense qui doit percoler tout au sein, tout au cœur finalement de nos organismes financiers. Donc réseau de référents bancaires, également mise en place, comme je l'ai dit, la direction d'industrie de défense qui va nous permettre de mettre en place des attachés d'armement en région. Là aussi, qui sensibiliseront à la fois les organismes financeurs et l'ensemble des écosystèmes d'innovation à cette capacité de pouvoir financer des acteurs émergents en termes d'innovation. Nous, on fonctionne beaucoup aussi sur l'encouragement à la dualité. Et aujourd'hui, le fonds Innovation Défense qui a été créé, qui, je rappelle, est un fonds de 200 millions d'euros destiné à financer des entreprises duales dont le business model primaire n'est pas celui de la défense, pour ne permettre de ne pas arsenaliser effectivement des sociétés, fonctionne bien, continue à investir et on arrive à trouver des partenaires. On arrive à trouver des partenaires, j'allais dire, qui sont des partenaires classiques. Il y a de nouveaux fonds qui se créent également en termes de fonds patriotes ou en tout cas fonds souverains destinés à financer la défense. Et puis on a également
tous les échelons intermédiaires qui, aujourd'hui, n'étaient pas couverts par les fonds, soit le fonds DEFINVEST, soit le fonds Innovation Défense, qui se développent. Je pense notamment au réseau de Business Angel, Defense Angels, qui se développe, et avec un relais sur le fait de pouvoir faire des phases, j'allais dire, qui sont avant la phase... ça y est, le nom m'échappe. Stage B, voilà. Je ne sais plus comment on dit en français, mais en tout cas, lorsqu'on a besoin d'augmentation de capital pour de l'amorçage, voilà, désolé, c'était le terme qui m'échappait, eh bien, on a aujourd'hui des relais qui ne sont pas directement ceux du ministère des Armées, mais qui nous permettent d'envisager une continuité entre le financement par Business Angel, du financement d'amorçage et du financement de capital développement et capital risque. Donc je dirais que là aussi, l'activité se développe. Maintenant, il faut continuer à être attentif aux tentatives de taxonomie qui pourraient nous être imposées, notamment vis-à-vis de lobbies et notamment vis-à-vis de l'Europe. On y est extrêmement attentif, d'autant que, évidemment, vous devinez qu'il y a des intérêts qui ne sont pas des intérêts français qui sont derrière tout cela. Bon, ensuite, sur les études amont et le programme 144, on a en fait un maintien, comme je l'ai dit tout à l'heure, des crédits en 2024. J'avais dit c'est 1,17 milliard d'euros en CP. C'était 1,16 milliard d'euros en 2023. Donc vous voyez que ça se maintient. Et finalement, effectivement, la répartition entre ce qui peut être des lignes de captation d'innovation, les lignes de financement des études amont, cette répartition, elle varie au gré des programmes. C'est d'ailleurs une question que j'ai souvent de la part de certains industriels. Ah ben, cette année, vous me donnez beaucoup de moins de crédits d'études amont. Ben oui, mais c'est normal parce que c'est peut-être que ces sujets-là qui ont été lancés avant n'ont pas besoin d'autant d'argent cette année. Et donc, on va rebasculer ces crédits pour faire, par exemple, de la captation d'innovation menant du monde civil, sachant qu'on a mis en place les outils qui nous permettent de le faire, qu'il s'agisse du guichet unique, qu'il s'agisse des études, des équipes qui sont chargées de qualifier ou d'accompagner la transposition d'une technologie d'innovation civile pour des besoins militaires. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude au niveau du programme 144. Merci, monsieur le délégué général. Alors, il nous reste 30 minutes et 9 questions. Je vous propose donc de scinder ces 9 questions en une série de 5 et une série de 4 avec 10 minutes pour répondre à cette série à chaque fois. Et mes chers collègues, j'ai essayé de vous limiter à une minute de questions si possible. La parole est à Lisiane Métayer. Merci, monsieur le président, monsieur le délégué général. Alors, moi, ça va être très rapide puisque ma question portait sur le programme système de lutte anti-mines marine future et sur l'opportunité de travailler sur des drones de conception française, à la star, en fait, du programme belgo-néerlandais au lieu de drones américains et suédois. Donc, je tenais simplement à vous remercier, en fait, de la réponse que vous apportez et de l'ouverture qui va être faite. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Gisèle Lelouis. Merci, monsieur le président, monsieur le délégué général. La nouvelle convention de la métallurgie, à laquelle sont rattachés la plupart des experts et techniciens de la DGA, entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Elle concerne donc les agents dits ICT et TCT, qui représentent 50% de l'effectif. Cela pourrait modifier sensiblement la façon dont ces personnels sont rémunérés, augmentation annuelle ou prime. Voyez-vous dans ce changement une opportunité pour la DGA ou bien une source de perturbation ou de difficultés supplémentaires ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Bastien Lachouf. Monsieur le Président, monsieur le délégué général, trois questions. Déjà sur l'état du programme A400M, sur les inquiétudes d'Airbus, sur le pouvoir maintenir les chaînes de production liées à un déficit d'exportation. Donc aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'exportation? Quels sont les moyens mis en œuvre par la DGA sur ce programme pour permettre qu'il continue et que nous puissions acheter tous les A400M que nous avons programmés dans la LPM? Et corollaire, qu'en est-il de la 200M ou équivalent? S'il y a des difficultés sur la 400M, quelles vont être les options que la DGA privilégie actuellement? Autre sujet, le VMAX a volé. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de ce premier essai?
et nous indiquer ce qu'il en est de la suite du programme. Et enfin, alors même que que le gouvernement avance sur l'économie de guerre, sur la relocalisation et surtout sur le contrôle français de l'industrie d'armement, Bercy a autorisé hier le rachat de Sirkor par un groupe américain, enfin un transfert d'un groupe américain vers un autre groupe américain, mais ça aurait été le moyen de récupérer cet équipementier du Rafale sur des fonds français. Quel est l'avis de la DGA sur cette autorisation? Je vous remercie. Merci. La parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué Général, je me permets de vous poser une question qui concerne, comme ma collègue députée, le corps des ingénieurs et techniciens cadres technico-commerciaux. Je reformule cette question puisque c'est à travers la question que j'avais posée la semaine dernière que les personnels représentants syndicaux des personnels civils de la Défense ont eu l'occasion d'intervenir à ce sujet. Ils nous ont fait savoir que ce corps, qui exerce sous votre responsabilité, était aujourd'hui confronté à la transposition au sein du ministère des Armées de la Convention nationale collective de la métallurgie. Les organisations syndicales nous ont fait savoir que la concertation actuelle se passait plutôt mal et qu'il n'y a pas une adhésion massive de la population ICT-TCT au décret qui régira cette transposition et aux mesures plus concrètes de transposition que propose la DGA. Les organisations syndicales nous ont annoncé que la DGA revoyait actuellement ses mesures pour être plus en phase avec la représentation du personnel et que de nouvelles propositions seront faites le 7 novembre prochain. Ma question est la suivante. Pourriez-vous nous partager votre avis concernant ces intentions de la DGA dans le cadre de cette renégociation en cours? Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Caroline Colombier. Monsieur le Président, Monsieur le Délégué Général, le 10 octobre dernier, le commissaire européen Thierry Breton a évoqué l'idée, et je cite, qu'à moyen et long terme, il sera inévitable de se poser la question d'un porte-avions européen. Sur le plan militaire, cette assertion pose un grand nombre de questions. En effet, quid de la maîtrise d'œuvre, de la doctrine d'emploi, du type d'avions embarqués, de la maîtrise de technologies comme la catapulte ou les brins d'arrêt, du contrôle opérationnel, du déploiement et de tant d'autres questions qui se posent face à cette idée qui nous semble vraiment hors sol. Sur le plan politique, quand on sait la prudence et la réflexion qui accompagnent le déploiement d'un porte-avions au niveau d'un État, on imagine les difficultés à 27. Pour le groupe Rassemblement national, évoquer cette idée relève d'un pur idéologisme au mépris de toute raison et de tout sens politique et militaire. Nous rejetons avec force cette nouvelle atteinte à la souveraineté française. Dans ce contexte, Monsieur le Délégué Général, quel est votre avis sur cette idée de porte-avions européen et notamment avec votre regard d'expert sur les sujets armement et industrie? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Délégué Général. Je vous remercie. Alors, je vais me permettre peut-être de grouper les deux questions qui sont relatives aux ICT-TCT. Je voulais en profiter pour vous donner les chiffres. Au sein de la DGA, en termes d'équivalent tremplin, c'est 3400 civils sous statut ICT et 456 statut TCT, pour vous donner une idée. Depuis mon arrivée à la tête de la DGA, c'est-à-dire un peu plus d'un an, presque un an et demi, ça a été un sujet extrêmement prégnant. Je pense avoir démontré d'ailleurs que nous étions saisis de ce sujet sous l'angle de la revalorisation à la fois des primes et des relations salariales. Et se pose aujourd'hui effectivement la question de la transposition de cette convention collective de la métallurgie qui, pour vous répondre très directement, est quelque chose pour nous qui relève plus de l'opportunité que de la menace, puisque vous m'en avez posé la question. Je pense qu'effectivement, dans la mesure où nous sommes extrêmement désireux, dans le contexte extrêmement tendu que l'on connaît aujourd'hui, avec des métiers, ce sont des métiers en tension par exemple sur le cyber, mais il y en a d'autres, nous sommes extrêmement volontaristes pour définir une politique d'attractivité, de fidélisation des compétences, d'homogénéisation également, tout en gardant le statut particulier ICT-TCT, mais une lisibilité au sein du ministère des Armées qui permette aujourd'hui de retenir nos ingénieurs, cadres et techniciens de la DGA.
Donc nous avons effectivement engagé ce chantier de transformation qui nous permettra d'abord de sécuriser, de pérenniser le régime juridique des ICT-TCT, qui nous permettra également de diversifier les parcours professionnels. Donc on est en train de, quand je vous disais lisibilité, ça veut dire aussi de faire des classifications d'emplois qui soient lisibles, de telle manière que les personnels de la DGA qui veulent aller travailler au sein du ministère, dans un autre, dans une autre institution, ou à l'extérieur du ministère, notamment dans d'autres organismes étatiques, puissent avoir une vision claire de la classe d'emploi qu'ils vont pouvoir rejoindre. Et puis surtout, ça nous permettra d'avoir une nouvelle politique salariale plus lisible, plus valorisante, avec notamment des leviers en termes de fidélisation sur les primes, sur la performance également. Donc aujourd'hui, ces différents chantiers, cette discussion dure depuis effectivement plusieurs mois. Je ne dirais pas qu'elle se passe mal avec les organisations syndicales, et je leur laisse la propriété de leurs propos. Néanmoins, d'abord, ils y sont associés. Ils sont associés pleinement aux différentes réunions que nous avons. Caroline Krigwinski, qui est la directrice des ressources humaines de la DGA, aujourd'hui travaille sans relâche avec les organisations syndicales pour cette transposition. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être perçu comme étant un peu anxiogène par les syndicats, par les salariés. On essaie de travailler ensemble pour que ça soit véritablement l'occasion quelque part d'avoir un corps des ICT-TCT lisible, attractif vis-à-vis des nouveaux défis en termes de travail auxquels nous sommes confrontés. Donc pour moi, effectivement, tout va plutôt bien dans ce domaine-là. Sur les autres sujets, alors attendez, j'enlève la 400M, VMAX. VMAX, ça va être assez simple comme réponse, parce que bien évidemment, vous doutez que je ne peux pas vous dire exactement, compte tenu de la sensibilité du sujet, et ce n'est pas une histoire de huis clos, c'est bien une histoire de confidentialité et de secret défense, les résultats du test qui a été effectivement conduit. Donc nous sommes en train d'analyser l'ensemble des très nombreuses données qui ont pu être recueillies à l'occasion de ce test, auquel j'assistais d'ailleurs, qui a été fait à Biscarrosse. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est que nous allons avoir un nouvel essai, une nouvelle expérimentation qui s'appelle VMAX 2, qui ne repose pas sur, et vous comprendrez que je ne rentre pas dans les détails, sur les mêmes dispositions de manœuvrabilité que nous avions dans le premier vecteur, mais qui prépare cette feuille de route du planeur hypersonique sur laquelle on continue de travailler. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la France est rentrée dans le club des puissances qui sont capables aujourd'hui de développer une stratégie hypersonique, qu'il s'agisse de planeur hypersonique ou de d'hypersonique et hyper véloce propulsé, hein, avec notamment le travail qu'on fait sur les hyperstatoréacteurs. Sur la 400M, on a dit, on en avait parlé la dernière fois, effectivement, nous sommes en train de discuter avec Airbus. Nous sommes assez confiants sur le fait que la menace de l'arrêt de la chaîne de production de la 400M n'est plus une menace d'actualité. Vous l'avez souligné, la pérennité du programme A400M repose, comme l'ensemble des grands programmes, sur un équilibre entre ce qui est fait en domestique et puis l'exportation. Il y a aujourd'hui un certain nombre de pays qui ont passé commande d'A400M. Il y a pas mal de prospects à l'export aussi. J'ai vu Guillaume Faury ce matin même et nous le revoyons demain. Et donc nous travaillons en bonne intelligence avec Airbus pour être sûr que nous ne tombons pas dans une situation qui conduirait à l'arrêt de la chaîne. C'est aujourd'hui pour moi éloigné. Sur la 200M, c'est en fait une proposition qui est une proposition d'Airbus qui était issue d'une étude préliminaire avec une idée relativement simple. C'est un mini A400M avec un même moteur qui permettrait un emploi plus tactique, mais pour moi c'est encore un peu prématuré de savoir ce qu'on peut faire de cette idée.
D'ailleurs, je pense qu'on n'aime pas trop l'appeler à 200M, pour être précis. C'est quel modèle économique, quel coût, quelle soutenabilité. Donc, pour l'instant, ce sont plutôt des réflexions préliminaires plutôt qu'autre chose. Sur le porte-avions, alors d'abord, je ne vais pas m'exprimer à la place de ceux qui définissent la stratégie politique et les besoins opérationnels. Vous comprendrez que ça n'est pas à la DGA de le faire. Néanmoins, d'abord, il faudrait avoir un besoin commun qui soit exprimé pour avoir un tel outil. Et je rappelle que la France fait partie des pays un peu particuliers dans la mesure où c'est une puissance dotée et qu'elle a besoin donc de capacités de dissuasion qui ne seraient pas forcément les mêmes à l'échelon européen. Nous, on pousse plus sur l'interopérabilité entre les différents systèmes plutôt que s'interroger. Et encore une fois, ça n'est pas mon couloir de nage, si vous me permettez cette image, sur cette idée d'un porte-avions européen. Sur Sirkor, je ne... Alors... Pardon ? La prochaine salle, hein. Oui, on peut le faire à la prochaine salle, mais d'un autre côté, je suis régulièrement interrogé sur le fait que telle ou telle entreprise, telle ou telle société soit revendue à vil prix à des méchants industriels américains. Alors, vous remarquerez que dans la plupart des cas, d'abord, c'est des sociétés qui sont déjà détenues par des investisseurs étrangers. Et que donc, si on le fait et s'il y a effectivement une menace pour les intérêts, nous avons tout un arsenal de mesures qui nous permettraient de pouvoir lutter contre de lutter contre le fait qu'il y ait une prédation, comme on l'a vu avec Jeumont, comme on l'a vu avec d'autres sociétés aujourd'hui, sur lequel on conserve soit des actions de préférence, soit des droits de vote, soit un dispositif de type IEF. Enfin, là, pour le coup, la DGA fait son travail. Et son travail, c'est la préservation des intérêts stratégiques. Là encore, on parle d'une société qui était une société détenue par des Américains, qui continue à être détenue par des Américains. Et je peux vous dire que, de toute manière, s'il y avait une menace sur nos intérêts, nous aurions et nous avons déclenché un certain nombre de mesures qui nous permettraient de nous prémunir contre une telle prédation. Merci, monsieur le délégué général. Nous sommes parfaitement dans les temps et nous arrivons à la dernière salve de questions qui sera ouverte par Jean-Michel Jacques. Tirez. Merci, monsieur le président, monsieur le délégué général. Merci pour vos propos qui ont répondu à un certain nombre de mes questions. Je voudrais revenir sur une de mes marottes, moi aussi un petit peu comme l'ami Thiriot. Ma marotte, c'est aussi les normes, et on en a beaucoup parlé lors de la loi de programmation militaire. C'était d'ailleurs dans le discours du président à Mont-de-Marsan avant la loi de programmation militaire. Ces excès de normes qui, bien souvent, arrivent par principe de précaution et qui, finalement, paralysent beaucoup nos organisations, qui ajoutent des coûts, qui ajoutent parfois des délais et, finalement, qui sont des freins à l'économie de guerre que l'on souhaite, c'est-à-dire une capacité à monter en puissance sur la fabrication d'un certain nombre d'armements. Alors, bien entendu, ces normes, on va nous dire, mais c'est la faute du législateur. Mais nous, législateurs, nous sommes aussi pour simplifier et nous avons simplifié. Il y a du réglementaire. Le réglementaire, c'est au niveau des ministères, au niveau des directions. Et puis, il y a aussi l'état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose d'important. On a beau changer les choses, et vous avez travaillé sur le sujet, je m'en souviens, lors du dernier mandat, pour moi en tout cas, sur l'instruction ministérielle, par exemple, la 15-16 transformée en 16-18. Mais si à côté, on ne change pas les états d'esprit, on pourra rajouter des guides annexes, etc. Nos entreprises en souffrent bien souvent. Je pense aux fiches techniques, les modes d'emploi interminables qu'ils ont du mal à émettre. Qu'avez-vous dans votre escarcelle à nous dire ce soir sur la simplification des normes ? Merci. La parole est à Frédéric Boccaletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, l'enjeu ressources humaines concerne l'ensemble des personnels de l'armée, toutes armes confondues. Sans doute sera-t-il l'ordre du jour de la DGA, Direction générale de l'armement. Effectivement, la loi de programmation militaire et son bras armé, la loi de finances, prévoient une augmentation des crédits consacrés au programme d'armement. Si ceci est bien entendu un signal positif pour nos armées, cela induit aussi de nouveaux challenges pour la DGA, notamment en matière de ressources humaines. Une montée en puissance implique nécessairement le recrutement de personnel hautement qualifié, de talents et experts qu'il faudra conserver dans la durée. Dans ce contexte, je souhaiterais savoir comment évaluez-vous l'attractivité ainsi que les conditions de recrutement et de fidélisation du personnel de la DGA. Je vous remercie.
Merci. La parole est à Natalia Pouzireff. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, vous l'avez évoqué, la montée en cadence de notre BITD démontre notre capacité à nous adapter à l'économie de guerre. L'accélération des processus de fabrication repose sur les efforts conjoints de l'ensemble des acteurs de la filière, des grands groupes jusqu'aux PME qui se trouvent, elles, en bout de chaîne de la valeur. À cet égard, pouvez-vous nous rappeler ce que la DGA met en œuvre pour permettre aux PME de gagner en agilité ? Que ce soit dans la diffusion de bonnes pratiques pour leur offrir une meilleure visibilité, que ce soit dans la simplification des procédures des marchés publics, mais aussi dans l'accompagnement de leur modernisation. Et à cet égard, l'intelligence artificielle permettra sans doute d'accélérer la rapidité des processus industriels. Des mesures sont-elles prévues pour accompagner les PME françaises pour leur permettre d'adopter ce nouvel outil. Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Christelle Dintorny. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, le projet de loi de finances pour l'année 2024 alloue près de 5,7 milliards d'euros pour le maintien en condition opérationnelle de nos armées, soit une augmentation de 745 millions d'euros. Des moyens financiers qui visent à faire progresser nos capacités opérationnelles, notamment par la livraison de nouveaux équipements. Près de 1,2 milliard d'euros seront consacrés en 2024 à l'innovation. Nous connaissons, monsieur, votre tropisme pour l'innovation. Et il en va du devenir de nos armées que nous poursuivons nos efforts dans cette voie, que cela soit par des études en amont, via des investissements dans la recherche, le développement de nouvelles technologies de pointe ou le soutien à la recherche académique via des opérateurs sous tutelle. De nombreux champs d'innovation sont à conquérir et nous espérons que la DGA en soit la tête de pont. Ainsi, en tant que déléguée générale pour l'armement, compte tenu de ce PLF 2024 et dans un contexte d'économie de guerre, comment la DGA compte-t-elle marquer son tropisme pour l'innovation ? Et enfin, comment compte-t-elle associer à cette dynamique les près de 4000 PME qui œuvrent au développement de nos industries d'armement ? Je vous remercie. Merci. Je ne vois plus de questions a priori. Monsieur le délégué général, vous avez la parole. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Jacques. Alors, effectivement, le sujet de la simplification, vous avez raison, ce n'est pas uniquement des normes, c'est aussi un état d'esprit. Et vous avez parlé du principe de précaution. Alors, la DGA n'applique pas de principe de précaution. La DGA peut appliquer un principe de prudence, et ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est un état d'esprit différent. Je l'avais dit quand j'étais directeur de l'AID, notamment en matière d'achat et d'acquisition. Souvent, on a tendance à se rajouter un certain nombre de pelures d'oignons réglementaires, normatives, alors que si on appliquait le code des marchés publics dans son entièreté, eh bien, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables sans avoir besoin de modifier la réglementation ou la loi. Et effectivement, en matière de mise en œuvre des normes, des règlements de sécurité, on nous fait parfois le reproche d'être des gens qui sont conservateurs. Je pense que c'est une mauvaise analyse. La réalité, c'est que nous avons une expertise technique qui nous permet d'être des machines à dérogation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles si le tiers de confiance qu'est la DGA n'avait pas dit, finalement, on accepte de déroger à cette norme, à cette réglementation. Et donc, en fait, c'est plutôt le contraire. Ce principe, cet état d'esprit de la DGA, qui est historique, qui ne date pas du tout de la transformation, c'est de permettre par l'expertise technique de déroger à des normes qui seraient trop contraignantes. Parfois, quand même, ces normes sont trop contraignantes, surtout qu'elles ne sont pas du fait du ministère des Armées. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler aussi sur notre capacité à les faire changer. C'est ce qu'on a commencé à faire, notamment sur la problématique de la navigabilité des drones, qui est un exemple qui revient souvent. Vous avez peut-être vu qu'en mars 2023 est paru un arrêté qui nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin et qui nous permet de gérer un certain nombre de problèmes qui étaient des problèmes que nous avions rencontrés les années précédentes, où, par exemple, un mini-drone ou un drone moyen ne pouvait pas survoler un camp militaire parce qu'il y avait une route nationale qui passait au milieu.
bien ce nouvel arrêté nous permet très concrètement de réaliser un certain nombre d'actes techniques, d'essais, en se fondant par exemple sur la taille, la fonction de ces drones, et donc d'estimer un risque et de classer, de ne pas faire finalement comme si tous les drones étaient des Cessna, et d'avoir un certain pragmatisme finalement qui a été traduit dans cet arrêté. Il y a un certain nombre d'initiatives similaires qui sont en cours dans le domaine naval, notamment pour alléger les référentiels qui s'appliquent aux navires de surface et qui devront aboutir en 2024, et sachant que dans l'intervalle, on a recours à la réglementation maritime civile pour mener un certain nombre de projets d'acquisition. Et puis, je vous donne un autre exemple sur lequel nous travaillons. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est que la muratisation des munitions, mais c'est leur capacité notamment à pouvoir encaisser un certain nombre de chocs, de manipulations sans exploser. Et nous avons tout un service, d'ailleurs, qui est tout à fait passionnant quand on vient le visiter à DGA, et ses missiles qui se trouvent à côté de Saint-Médard-en-Jalles. Saint-Jean-d'Illac, voilà, je cherchais le nom, à Saint-Jean-d'Illac en Aquitaine, qui travaille sur ces problématiques-là. Bah, effectivement, quand on embarque des munitions dans un sous-marin, effectivement, ces munitions doivent être traitées de manière très particulière. Ça n'est pas forcément le cas de toutes les munitions, et donc il faut savoir adapter cette réglementation et ces décrets pour simplifier, là encore, les normes qui pourraient être surspécifiées par rapport aux besoins du ministère des Armées. Je le fais dans l'ordre, sur l'attractivité et la fidélisation de nos collaborateurs, effectivement. D'abord, ce que nous constatons, c'est que la DGA continue à être attractive. Je souhaite qu'elle soit renforcée d'ailleurs dans cette attractivité. Vous avez peut-être remarqué que nous y employons sur la communication que nous faisons, qui va se renforcer encore une fois, de nos activités. Parce que finalement, on se rend compte que quand on met un stand au meeting aérien de la Ferté-Alais ou Melun-Villaroche, quand on met un stand aux 24 heures du Mont, même si au début, d'aucuns m'ont dit bah, si finalement ça ne sert à rien parce que ce n'est pas là qu'on va recruter, bah, on se rend compte qu'on a à peu près plus de 1000 CV par jour qui nous parviennent à chaque fois qu'on est dans une manifestation. Mais effectivement, il nous faut travailler. Il faut travailler sur quoi ? Sur l'attractivité des métiers, il faut travailler sur les rémunérations. Parce que c'est vrai qu'on a, enfin, souvent nos organisations syndicales disent il faudrait qu'on soit aligné sur le privé. Ne rêvons pas, on ne peut pas être aligné sur le privé, mais nous avons quand même beaucoup de facteurs d'attractivité à la DGA qui nous permettent, par exemple, de donner des responsabilités très tôt, très jeunes à l'ensemble des collaborateurs qui viennent. Et c'est vrai que c'est pas dans tous les métiers qu'on peut faire ça. Et puis il y a un tabou que j'aimerais lever, c'est pas parce qu'on vient à la DGA qu'on est obligé de faire 50 ans à la DGA. On peut venir à la DGA, on peut ensuite aller faire autre chose et revenir à la DGA à la seule condition que l'on soit réaccueilli et que cette expérience soit valorisée. Et c'est la raison pour laquelle, dans la trajectoire RH de la DGA, nous avons souhaité mettre en place une approche hybride, c'est-à-dire ne pas raisonner uniquement en équivalent temps plein, mais raisonner sur une enveloppe financière qui pourrait être effectivement modulée en fonction de la tension des différents métiers et des profils de ceux que l'on souhaite recruter. C'est un travail que nous avons entamé, évidemment, avec notamment le cabinet du ministre. Sur les PME, c'est un sujet qui m'est évidemment extrêmement cher, puisque les PME, enfin, j'allais dire, je connais, et je vois toute la difficulté qu'il peut y avoir, ou qu'il pouvait y avoir, si vous me permettez, pour une PME à travailler avec le ministère des Armées. Bon, vous savez qu'on a une politique du ministère qui se nomme Action PME et qui est traduite très concrètement depuis 2013, traduite par une instruction ministérielle et qui se poursuit depuis 2013. C'est piloté par la DGA depuis 2020. Nous avons décidé de mettre en place une nouvelle version de cette instruction pour la fin de l'année, afin de l'adapter au contexte économie de guerre et au contexte de cette nouvelle loi de programmation militaire. Et pour ceci, nous travaillons pas tout seuls, on travaille évidemment avec BPI et on travaille aussi avec la Direction Générale des Entreprises, ce qui nous permet de mutualiser nos actions. Et puis, comme je l'ai dit encore une fois, nous créons cette Direction d'Industrie de Défense dont une partie importante sera réservée à la résilience économique
des acteurs et la sécurité économique des acteurs de la BITD. Ça signifie toujours un bureau PME extrêmement actif. De nouvelles actions, comme par exemple nous intéresser aux boîtes qui sont des boîtes, excusez-moi, c'est un petit peu trivial comme mot, aux PME qui sont patrimoniales, qui sont par exemple détenues par quelqu'un qui souhaite céder l'entreprise à ses enfants, une entreprise d'intérêt défense, et qui ne parvient pas à trouver d'acquéreur. Mais notre but est d'anticiper tout cela pour le permettre de l'aider et de éventuellement opérer des rapprochements. Et puis enfin, toujours dans l'accompagnement de ces PME, il y a le sujet de la cybersécurité. Et c'est pas un sujet anecdotique, puisque quand on regarde vers l'Ukraine, vous avez d'autres compétiteurs qui sont en train d'attaquer de manière assez systématique et assez massive l'ensemble de notre BITD. Alors ils sont pas fous, hein, ils vont pas commencer par attaquer des géants comme Airbus ou Naval Group, ils vont aller attaquer les maillons les plus faibles, c'est-à-dire des sociétés petites qui n'ont pas forcément de politique importante en termes de cyberdéfense et cybersécurité. Donc nous avons rédiger une charte de bonne pratique. Nous les aidons à avoir un référentiel minimal leur permettant de se protéger vis-à-vis de ces agressions-là. Évidemment, nous allons les accompagner dans le cadre de cette nouvelle direction de l'industrie de défense pour leur permettre d'être totalement résiliente. Et puis, effectivement, vous avez parlé, Madame la députée, de l'innovation, notamment du MCO. Alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller au forum Entreprise Défense qui avait lieu il y a deux semaines à Satori, qui est un. Et je pense que la commission de la défense pourrait utilement y aller. Je crois que ça se tient tous les deux ans. C'est un forum qui est dédié, qui est organisé notamment par la CIMT et qui est dédié au maintien en condition opérationnelle. Ce qui est tout à fait frappant, c'est l'avalanche d'innovation que l'on voit dans le cadre de ce forum-là, qu'il s'agisse de l'utilisation d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de capteurs intelligents, qu'il s'agisse de nouvelles procédures de MCO, qu'il s'agisse de nouvelles procédures liées au carburant. Voilà, donc tout ceci, effectivement, est accompagné dans le cadre de la politique d'innovation du ministère. Et pour donner un seul exemple, c'est qu'il y a un projet fédérateur en termes d'intelligence artificielle qui s'appelle Artemisia, qui est une espèce de socle général d'intelligence artificielle sur lequel on va pouvoir plugger, si vous me passez l'expression, un certain nombre d'applicatifs avec des cas d'usage. Et vous avez un cas d'usage qui est le renseignement, un cas d'usage qui est la santé, et évidemment un cas d'usage qui est le maintien en condition opérationnelle, puisque ces techniques d'intelligence artificielle vont révolutionner le monde du MCO. Ce n'est pas la DGA qui est en charge du MCO, mais en revanche, nous contribuons de manière extrêmement active au développement des technologies de soutien et de maintien en condition opérationnelle. Merci, monsieur le délégué général. Je crois que cette fois, vous avez vraiment répondu à l'ensemble des questions. Merci pour le parfait respect du timing à une minute près. Il en reste plus des questions, mes chers collègues. Et je vous donne donc rendez-vous demain à 9h pour l'audition des associations d'anciens combattants. Très bonne soirée à tous.